Je par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez des écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça, c'est quoi? C'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI. Voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En trois lignes, on dit ceci, un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme, en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça, que j'ai ici, ce torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats, aux candidats présidents de la République une liste expurgée pour monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait.